Conseil extraordinaire des ministres tenu ce vendredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Deux points à l'ordre du jour, le non-transfèrement à la Cour pénale internationale de Simone Gbagbo et la grâce collective pour 3000 détenus. Coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, plus de 100 milliards de francs CFA mis à la disposition du gouvernement ivoirien pour le financement de projets dans différents secteurs d'activité. Autre titre de ce journal, une cérémonie de remise officielle des conclusions au ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, document remis par le comité chargé de la réforme du sport en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à cette demi-heure d'information en direct sur ce plateau. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Yenema Koulibaly. Avec lui, nous parlerons des deux points qui étaient à l'ordre du jour du Conseil extraordinaire des ministres tenu ce vendredi au palais présidentiel. Le non-transfèrement à la Cour pénale internationale de Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président ivoirien, et la grâce collective pour 3000 détenus auteur d'infractions mineures de droit commun. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Bourdieu. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'échanger avec vous, direction le palais présidentiel pour les temps forts du Conseil des ministres avec Jérôme Kofi Abola. Deux conseils des ministres en l'espace de 72 heures cette semaine. Le tout dernier se veut un conseil extraordinaire, mais cela ne change rien aux principes visant à prendre des décisions relatives à la marche de l'État. L'une des mesures prises au cours de la réunion tenue ce vendredi 20 septembre 2013 concerne le procès de Mme Gbagbo. Le conseil a fait état des démarches du gouvernement en vue du jugement de l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo par les juridictions ivoiriennes. Sur la demande de transfèrement de Mme Simone Gbagbo à La Haye, formulée par la Cour pénale internationale, le Conseil a décidé de présenter une requête en irrécevabilité et de surseoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI le 29 février 2012. Cette décision du Conseil vise à faire juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et à même de lui faire un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense. Le gouvernement déposera incessamment sa requête au greffe de la Cour pénale internationale. En outre, il y a eu la décision prise par le Conseil pour accorder une grâce collective à 3000 détenus auteurs de certaines infractions de droit commun. À l'instar d'autres mesures déjà prises, cette décision pour le gouvernement va contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Voilà, Monsieur le ministre, on dit encore merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un communiqué, alors les téléspectateurs vous écoutent. Merci. Communiqué du Conseil des ministres extraordinaire. Un Conseil des ministres extraordinaire consacré à l'examen des procédures judiciaires et à la situation de l'administration pénitentiaire s'est tenu ce jour, vendredi 20 septembre 2013, de 12h à 13h. Ainsi, sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le gouvernement a pris les décisions suivantes. Sur la demande de transfèrement de Mme Simone Gbagbo à La Haye, formulée par la Cour pénale internationale, le Conseil a décidé de présenter une requête en irrécevabilité et de surseoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale, le 29 février 2012. Cette décision du Conseil vise à faire juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et à même de lui faire un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense. Le gouvernement déposera incessamment sa requête au greffe de la Cour pénale internationale. Sur le second point, au plan de l'administration pénitentiaire, le Conseil a décidé d'accorder une grâce collective à environ 3000 détenus auteurs de certaines infractions de droit commun. Sont exclus du bénéfice de cette grâce les auteurs d'infractions militaires, de crimes de sang,
d'atteinte à la sûreté de l'État, de vol de nuit, de vol en réunion, de vol avec effraction ou à main armée, de viol, d'attentat aux mœurs, attentat à la pudeur, abus sexuels contre des personnes mineures, d'enlèvement d'enfants, d'évasion, de trafic de stupéfiants et d'infractions contre les biens, abus de confiance et escroquerie, extorsion de fonds aussi, lorsque le préjudice qui résulte de la commission de ces infractions est d'un montant inférieur ou égal à 25 millions de francs. Sont également exclus de l'application de cette grâce les auteurs de détournement de fonds publics. Un décret du chef de l'État viendra préciser les modalités d'application de cette grâce après une analyse au cas par cas des dossiers des potentiels bénéficiaires. Fait à Abidjan le 20 septembre 2013, le gouvernement. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre à certaines questions? Bien sûr, je suis à votre disposition. On peut se demander pourquoi transférer l'ex-président Laurent Gbagbo à la CPI et décider de juger son épouse ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On aurait pu juger l'ex-président ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous aurions pu juger l'ex-président ici en Côte d'Ivoire si les circonstances étaient les mêmes. Souvenez-vous, M. Mobio, que lors du transfert de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en novembre 2011, la Côte d'Ivoire sortait à peine après d'une longue crise armée et nous n'avions pas nos infrastructures judiciaires en état. Les maisons d'arrêt avaient été détruites, les prisons, les tribunaux et même certains magistrats n'étaient pas à leur poste. Donc à cette période-là, il était manifestement difficile de pouvoir donc procéder au jugement de Laurent Gbagbo. Il faut aussi noter, M. Mobio, que en principe, la Cour pénale internationale n'intervient que lorsque l'État dans lequel les faits qui jugent ou qui occasionnent sa compétence n'est pas à mesure de juger parce que les infrastructures, comme en Côte d'Ivoire, étaient détériorées ou n'a pas la volonté que la CPI intervient. La CPI a une compétence de subsidiarité. Ça veut dire qu'en tout temps, le pays dans lequel les faits sont commis demeure en priorité celui qui doit pouvoir juger les auteurs des faits incriminés. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, où nos juridictions, comme nous l'avons vu dans le communiqué, sont aujourd'hui opérationnelles. Mais si les juridictions sont opérationnelles, Monsieur le ministre, ça veut dire qu'on peut demander le retour du président Laurent Gbagbo et qu'il soit devant les juridictions maintenant, comme vous dites, tout en place. Oui, nous avons saisi la Cour pénale internationale qui donc est en train de mener sa procédure. Il est de bonne politique, il est normal, si je voudrais dire, que la Cour pénale internationale vide sa saisine. Mais si d'aventure la Cour pénale internationale nous disait que nous avons maintenant la capacité de juger M. Laurent Gbagbo, nous aviserons. Alors, cette volonté de juger l'ex-première dame en Côte d'Ivoire, pour certains, c'est le résultat d'une pression de la communauté internationale, la pression des États-Unis ou de la France. Quelle est votre réaction? J'ai déjà dit à plusieurs occasions que le gouvernement de Côte d'Ivoire est un gouvernement responsable. Il n'agit sous aucune pression. Personne ne pourrait venir nous imposer de juger quelqu'un en Côte d'Ivoire si tant est que les infrastructures, les hommes n'existent pas. Nous sommes donc dans un mécanisme de responsabilité. Nous pensons que nous prenons nos décisions en fonction des circonstances du moment. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est donc un pays tout à fait revenu à la norme, se doit de pouvoir juger les personnes auxquelles elle reproche quelque chose. Ceci est d'ailleurs plus commode puisque les témoins, les victimes, tout le monde est sur place. C'est plus efficace pour la manifestation de la vérité. Alors s'il n'y a pas de pression, on peut peut-être parler de relents politiques, le souci de l'apaisement, des mesures qui s'inscrivent dans le processus de réconciliation peut-être. Monsieur Mobio, je voudrais dire à l'attention des téléspectateurs que la justice ivoirienne fonctionne donc de manière indépendante. Vous savez, nous pouvons
accepter que cela, que un de nos concitoyens soit traduit devant une juridiction extérieure, mais les magistrats ivoiriens qui ont reçu des formations tout aussi qualifiantes que celles des magistrats qui exercent d'ailleurs à la Cour pénale internationale, les magistrats ivoiriens ne se sentiraient pas à l'aise de ne pas pouvoir démontrer à la face donc de la communauté nationale et internationale qu'ils sont à mesure de conduire des procès, quelle qu'en soit l'importance. Il y en a eu des grands procès en Côte d'Ivoire. Donc, il est normal que la justice, qui, après avoir analysé ses capacités, s'estime à mesure de juger Mme Simone Gbagbo, en fasse la demande au gouvernement. Et nous avons porté la voix donc de la justice ivoirienne au Conseil des ministres de ce matin, qui a marqué son accord. Alors, pas de transfèrement pour l'ex-épouse de l'ex-chef de l'État, pas de transfèrement pour Charles Blé Goudé. Nous n'avons pas encore, au niveau du gouvernement, statué sur la demande, donc le cas Blé Goudé, parce que c'est lorsque la Cour pénale internationale lève le mandat d'arrêt, le rend public, qu'il demande à un État de procéder au transfèrement de la personne visée par ce mandat d'arrêt. Charles Blé Goudé est effectivement l'objet, fait l'objet d'un mandat d'arrêt, mais à ce stade, nous n'avons pas été sollicités par donc la Cour pénale internationale pour assurer son transfert à la Haye. Le gouvernement, en temps opportun, apportera la réponse qu'il faut à une telle demande si elle était formulée. Alors parlons de Charles Blé Goudé, dans quel état de santé se trouve-t-il? Bien, Charles Blé Goudé se porte bien. Je n'ai pas été saisi d'une situation anormale le concernant et donc je puis affirmer qu'il se porte très bien. Alors dans cette crise post-électorale qu'a connue notre pays, eh bien les responsabilités sont partagées. Alors qu'en est-il des forces nouvelles qui sont aussi dans le collimateur de la justice? Alors qu'est-ce que vous pouvez rassurer les uns et les autres? Oui, oui, nous pouvons le dire, rassurer les uns et les autres. Il y a quand même des éléments, des forces nouvelles qui seront quand même devant les juridictions. Au terme du rapport qui a été établi par la Commission nationale d'enquête que nous avons instituée, et il a été pointé du doigt des responsables des forces nouvelles, le juge d'instruction qui est saisi du dossier et qui aujourd'hui est en train donc de le faire avancer en son temps, prendra les décisions nécessaires s'il a des éléments à charge contre ces responsables militaires. L'enquête de la Commission nationale n'était pas une enquête judiciaire. On a entendu des gens à travers donc des personnes qui n'avaient pas forcément des qualifications techniques pour procéder à ces enquêtes-là. Il revient maintenant au magistrat, le juge d'instruction à charge du dossier, de conduire les investigations pour éventuellement, s'il y a lieu, inculper les auteurs qui sont dans tous les camps. Le président de la République l'a déjà suffisamment indiqué. Là, en Côte d'Ivoire, il n'y aura d'impunité pour personne. Tous ceux qui seront donc visés par des infractions, tous ceux qui seront reconnus ou supposés être des auteurs d'infractions, toutes ces personnes-là devront répondre devant la justice. Ça, c'est une volonté ferme du chef de l'État et nous sommes là pour faire en sorte que celle-ci se traduise en actes concrets. Parlons maintenant des 3000 détenus concernés par la grâce collective. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de délits mineurs? Eh bien, nous avons dans la lecture du communiqué indiqué les personnes qui ne sont pas concernées. On parle de délits mineurs, généralement lorsqu'il s'agit de vols, par exemple, simples à la tirelire, de faux usage de faux, de coups et blessures volontaires, de violences et voies de fait, de défrichement illicite de forêt, de consommation de cannabis. Il y a beaucoup d'infractions qui ne rentrent pas dans le cadre des infractions qu'on considère comme portant un trouble substantiel à l'ordre public et à la paix sociale. Est-ce que dans ces 3000 détenus figurent des pro-Gbagbo? S'ils sont jugés pour des faits qualifiés donc comme ceux que nous venons de décrire et que leur condamnation est définitive, parce que pour bénéficier d'une grâce, il est bon de savoir qu'il faut être condamné définitivement. Pour la plupart, ceux qui sont concernés par donc les procédures, les pro-Gbagbo, ceux que vous appelez les pro-Gbagbo, ces procédures-là ne sont pas encore achevées. Elles sont en phase d'instruction.
D'accord? Donc la grâce ne peut pas concerner les personnes qui sont en phase d'instruction. Seules les personnes jugées condamnées peuvent bénéficier d'une grâce. Et nous avons indiqué que si ces pro-Gbagbo sont poursuivis pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État ou pour des infractions militaires, naturellement, elles ne peuvent pas bénéficier de la grâce que nous venons de prendre ce jour. Alors, en 2007, l'ex-président, le président Laurent Gbagbo, a accordé la grâce à 107 prisonniers. Et cette année, on parle de 3000. Pourquoi un nombre aussi important, monsieur le ministre? Mais vous venez d'en donner la réponse, monsieur Moubio. Vous avez dit que c'était en 2007. Nous sommes aujourd'hui en 2013, soit quasiment 6 années après. Vous savez, la grâce est une tradition dans l'administration de la justice. Normalement, dans tous les États, à l'occasion de grands événements comme la fête nationale, comme la fin d'année, le gouvernement accorde des grâces aux prisonniers. Parce qu'il y a dans les prisons des délinquants primaires dont la longue détention peut les transformer en grands bandits au contact des caïds. Donc l'administration pénitentiaire, c'est pouvoir opportunément voir si on peut accorder comme la loi l'autorise. Parce que, disons-le net, c'est la Constitution qui donne au président de la République le droit de grâce en son article 49. Donc, c'est un acte de souveraineté et n'ayant pas eu de grâce de 2006 et de 2007 à aujourd'hui, il va sans dire que le nombre de personnes susceptibles d'en bénéficier s'est multiplié par au moins 6 chaque année. Et la grâce à laquelle vous faites allusion a été assez ponctuelle. C'était une grâce accordée aux femmes. Et donc, si vous prenez dans la population carcérale le nombre de femmes, vous constaterez que ce chiffre, à cette époque, était également substantiel. Mais ça ne concernait que les femmes. Aujourd'hui, c'est une grâce collective qui essaie donc de mettre en liberté des personnes qui, depuis 2007, auraient pu s'attendre à bénéficier d'une grâce. Et donc, si vous prenez ce chiffre et que vous envoyez la durée, c'est tout à fait normal que cela porte sur environ 3000 personnes. La population carcérale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est plus de 10 160 détenus. Voilà. Là où nos prisons sont habilitées à ne recevoir que 4 500. Alors, quand vous avez 10 160 détenus et que vous en libérez 3000, vous êtes au tiers. Il reste encore au moins le double de ce chiffre dans les maisons. Il faut aussi penser à la paix sociale. C'est un élément de paix sociale que d'accorder des grâces. Parce que souvent, des personnes se plaignent contre des auteurs de faits qui leur sont préjudiciables. On les juge, on les condamne. Mais peu de temps après, soit le regret s'installe, soit le pardon s'installe. Mais comme on pourrait le dire, le fait est déjà fait, est déjà commis. La décision est déjà intervenue. Il faut qu'à un moment donné, les autorités chargées de l'administration pénitentiaire régulent tous ces événements. Alors, monsieur le ministre, donnez-nous une réponse assez claire. Peut-on bénéficier d'une liberté provisoire et avoir une activité politique intense? Oui, la loi sur les partis politiques n'interdit pas à quelqu'un, à une personne qui bénéficie d'une liberté provisoire d'exercer des activités politiques. La loi sur les partis politiques indique que lorsque vous avez fait l'objet de condamnations pour certaines infractions, vous ne pouvez pas diriger un parti politique. Alors, tant que vous n'êtes pas jugé définitivement, tant que vous êtes en liberté provisoire, vous êtes supposé aussi être innocent, parce que n'oubliez pas, la présomption d'innocence, c'est la règle principale qui donc fait fonctionner nos juridictions pénales. Donc, vous êtes en liberté provisoire, vous êtes considéré comme encore innocent, tant que la décision n'intervient pas. Si la décision intervient, qu'elle vous condamne, en ce moment, lorsque vous êtes privé des droits civiques, vous ne pouvez pas diriger un parti politique. Parce que c'est la privation des droits civils et politiques qui fait que l'on ne peut pas diriger un parti politique. Mais en tant que personne en liberté provisoire, vous ne faites pas encore l'objet de ces privations. Vous pouvez donc jouir de votre prérogative d'animer la scène politique. Monsieur le ministre, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Le Mali a un nouveau président. Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka a été investi en présence de nombreux chefs d'État, au nombre desquels le président Alassane Ouattara,
président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les temps forts de cette cérémonie avec notre envoyé spécial, Habiba Dembélé. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice de la CEDEAO, a été ovationné à son arrivée au stade du 25 mars ce jeudi sous un soleil de plomb. Le peuple malien reconnaissant pour le rôle déterminant joué par la CEDEAO et son président dans la résolution de la crise malienne. Souvenez-vous du non ferme de la CEDEAO le 2 avril 2012, quelques jours après le coup d'État militaire du 22 mars. Et cette fermeté a été l'élément déclencheur du retour à la légalité constitutionnelle avec l'organisation du scrutin présidentiel qui a conduit à la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta. De même que l'intervention militaire française, des forces tchadiennes et de la CEDEAO qui a permis la reconquête du territoire malien. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, tous aux côtés du Mali, pendant les 18 mois de crise, ont tenu à être les témoins de cet événement historique. Le premier à prendre la parole était le président français, François Hollande, qui a déclaré que la France sera toujours aux côtés du Mali. Je me souviens de l'accueil que vous m'aviez fait le 2 février dernier, ici, dans la capitale. Nous étions au tout début de notre combat commun. Aujourd'hui, nous sommes à son aboutissement, car c'est une victoire, une grande victoire pour le Mali que nous fêtons aujourd'hui, ensemble. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a indiqué que cette cérémonie solennelle d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta marque un nouveau départ pour le Mali. Année terrée. Que la paix soit de manière définitive sur le Grand Mali. Je voudrais donc vous adresser aux nouvelles autorités maliennes ainsi qu'au peuple malien mes très vives et chaleureuses félicitations. Mon cher frère, mon cher ami, votre brillante élection constitue le couronnement des actions concertées menées par notre organisation régionale et par la communauté internationale pour reconquérir l'intégrité territoriale du Mali et pour sécuriser le Mali. Je voudrais vous dire ma fierté de participer à cette cérémonie d'investiture et à adresser au nom de mes pères ainsi qu'à mon nom personnel toutes mes félicitations au peuple malien pour la belle leçon de démocratie qu'il vient de donner à l'Afrique et au monde. Le président tchadien Idriss Déby Itno, qui a engagé plus de 2000 soldats au Mali, notamment dans le massif des Iforas, s'est dit fier de son implication aux côtés des Maliens. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, dans un discours de près de 40 minutes, a remercié les chefs d'État présents avant de promettre solennellement qu'il allait s'engager à respecter la Constitution, à améliorer le niveau de vie de ses concitoyens dans la paix et la cohésion sociale. C'est pour ce peuple-là que j'ai prêté serment. Je respecterai et ferai respecter la Constitution du Mali, Inch'Allah. Et je renouvelle ici mon serment de lutter de toutes mes forces contre la malgouvernance, la prédation de nos maigres ressources et la honteuse et criminelle corruption. Chaque centime peut améliorer l'accès à l'école, aux centres de santé et aux routes pour les petites de Maliennes et de Maliens qui ne demandent rien d'autre que de vivre en paix, de produire en paix, d'aller librement en paix, dans un environnement sécurisé. Cette modeste ambition sera comblée, Inch'Allah.
Belle cérémonie, belle fête de la solidarité entre les États qui a pris fin avec des danses du pays Dogon, peuplade vivant dans les collines de la région de Mopti. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette signature de convention entre la Côte d'Ivoire et la France. Plus de 100 milliards de francs CFA mis à la disposition du gouvernement ivoirien pour le financement de projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de la biodiversité. Direction la primature avec Chantal et Ouma. Plus de 117 milliards de francs CFA. C'est la somme qui est consacrée à la réalisation de projets du plan national de développement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de la biodiversité. La signature de ces conventions s'inscrit dans la droite ligne du contrat de désendettement et de développement C2D qui doit être exécuté entre 2013 et 2015. Ce contrat se présente comme un outil de coopération entre l'État français et l'État ivoirien. Cette coopération est saluée par le gouvernement ivoirien. Pour la signature de ces 5 conventions d'affectation, le ministère de l'économie représentait la partie ivoirienne et l'État français était représenté par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement. C'est le fruit d'un long travail qui n'est pas fini. Il va y avoir de nouvelles signatures très certainement dans les prochains mois, de sorte que tout ce programme qui est véritablement la colonne vertébrale de nos opérations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, puisse se mettre en place. Et ceci, évidemment, au bénéfice des populations, au bénéfice de la reprise en Côte d'Ivoire par le biais de l'investissement public, et aussi pour faire en sorte que tout ceci se colle avec l'émergence de la Côte d'Ivoire et le plan de développement dans lequel ces investissements publics s'inscrivent. Au terme des projets, des résultats sont attendus par les parties concernées pour l'amélioration, le renforcement et le relancement des secteurs retenus que sont l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, l'environnement et les forêts. Le bureau politique du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est réuni hier en présence du président de ce parti, Henri Conan Bédier. Il a été essentiellement question des préparatifs pour un bon déroulement du 12e congrès du PDCI-RDA prévu au mois d'octobre prochain. Demain, vous aurez le compte-rendu de Thérèse Tapeyoboué. Le premier groupe de pèlerins ivoiriens a quitté la Côte d'Ivoire ce matin pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Pour ce premier départ à la Mecque, 450 musulmans candidats au 5e pilier de l'islam. L'ambiance du départ avec ce témoignage de Fatou Fofana. 11h40, décollage du premier vol en direction d'Arabie Saoudite pour le pèlerinage à la Mecque édition 2013. Ce vendredi 20 septembre est un jour doublement saint pour ces 450 musulmans à embarquer à bord de ce premier vol. Pour certains, il s'agit du tout premier Hajj. Il est considéré comme un véritable appel de Dieu, une grâce et surtout un grand moment d'émotion. C'est mon premier Hajj. Ah, j'ai pleuré. Je remercie le Seigneur de me compter parmi ses illustres invités et je lui demande d'agréer mon Hajj. C'est la première fois que je vais au Hajj, alhamdoulilah, bon, vraiment tout le plaisir a été pour moi lorsque j'ai décidé d'aller au Hajj. Vraiment, j'ai senti directement que j'étais peut-être un enfant d'Aldiana, quoi, disons. Les autorités de Côte d'Ivoire et d'Arabie Saoudite n'ont pas voulu manquer ce premier départ. Comme prévu, le pré-regroupement a eu lieu hier jeudi à la grande mosquée de la Riviera Golf. Moment de prière pour les futurs pèlerins et occasion de prendre les dernières recommandations auprès des encadreurs. Les responsables de l'organisation, eux, ont tenu à rassurer tous les autres futurs pèlerins. Tout le monde sera pris en compte avec un encadrement adéquat. On appelle vraiment au calme. À la patience de tous les pèlerins et en tout cas ils seront suivis et il n'y aura aucun problème. Le Hajj 2013, nous le plaçons sous le signe de la rigueur, de l'encadrement de proximité, le pèlerin au centre de toutes nos préoccupations. Prochain vol, demain samedi à 11h30, pré-regroupement ce soir à la grande mosquée de la Riviera Golf. Voilà, comme annoncé dans les titres, le comité de réforme du sport en Côte d'Ivoire a procédé au cours d'une cérémonie à la remise officielle des conclusions au ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, le compte-rendu de Aude Alégué.
Diko Adama, président de la commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire, et les présidents de fédération ont remis à leur ministre de tutelle le résultat d'un avant-projet de loi relative au sport, un compromis entre les aspirations du monde sportif et la volonté de l'État de développer le sport. C'est avec une grande satisfaction que le ministre des Sports, Alain Lobognon, a reçu les conclusions des travaux. C'est donc avec une immense joie et un réel plaisir que je reçois ce jour, pour le compte du gouvernement, les conclusions des travaux de la commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Le texte qui vient d'être présenté augure d'un avenir meilleur du sport dans notre pays. Chaque acteur du mouvement sportif connaîtra, une fois le projet adopté en Conseil des ministres, puis à l'Assemblée nationale, son rôle et sa place dans la gouvernance du sport. Bien plus, en définissant clairement les mécanismes de gestion économique du sport, l'avant-projet de loi résout de façon satisfaisante la lancinante question du financement du sport en Côte d'Ivoire. Il convient de noter que les dispositions relatives au statut des fédérations ainsi que le financement du sport ont fait l'objet de discussions houleuses au cours de plusieurs séances en raison de la pertinence et la délicatesse des questions. La création d'une mutuelle prenant en charge les dirigeants sportifs, les athlètes licenciés et les supporters sera débattue lors d'un atelier qui permettra de résoudre les modalités de cette association. À la fin de ce journal, rappelons ce qui constitue la une de l'actualité. Le refus du gouvernement de transférer Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-chef d'État ivoirien, à la CPI et la grâce collective pour 3000 détenus. Mesure prise au cours du Conseil extraordinaire des ministres tenu au palais présidentiel. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI1 pour suivre en direct à partir de 21h la finale de l'émission Star Karaoke. Bonne suite de programme sur votre chaîne.